Deux heures plus tard. Approximativement 10 heures plus tard. Disney Cruisers. Eh bien, ça, il y a deux ans, j'étais sur la dernière du Wonder. J'ai attendu deux ans et maintenant, je vais enfin pouvoir repartir sur Magic. Enfin, j'espère. On est en train de faire nos tests PCR. Enfin, on a fait des tests PCR. On attend les résultats entre 30 minutes et une heure. J'espère qu'on va pouvoir monter sur le bateau et je vous retrouve une fois qu'on est à bord, si on arrive à monter à bord. Ça y est, on a attendu 45 minutes à peu près. On est clear to sail, ça veut dire qu'on a le droit de monter sur le bateau. À moi le buffet de crevettes. Bon, et puis aussi la Disney Cruise et Mickey. Hein. Alors maintenant, le briefing, ça se passe dans la chambre. On a déjà dû aller scanner notre point sur le pont 4 où on devra tous se retrouver si jamais il y a un problème. Et tout le reste va se faire par des vidéos. Donc là, on a eu l'alarme qui a sonné pour vous montrer à quoi ressemble l'alarme. Et c'est parti pour le briefing. Donc maintenant on a droit à toutes les instructions, donc c'est en anglais, hein, c'est pas en français. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, bah, vous me demandez dans les commentaires et je vous dirai ce que vous faites, c'est pas très dur. Get this party started with the help of Megan!
yourself on the screen. I want you to wait and scream, shout out, go wild. Now two hands in the air. Come on, hands up, hands up. And we're gonna jump it out. Here we go. Jump it out. It's a party, it's a party, and it's all jump in anyway. You come and stop your feeling. Throw your hands in the air, keep your words behind. There's a party for you, it's on vacation. It's time to get real and kick it up a notch. La première journée est quasiment terminée. On a attendu un peu pour le check-in, ça a été un petit peu long. On a eu donc la cérémonie d'arrivée qui était un petit peu réduite parce qu'il pleuvait. Donc pour pas glisser, les performeurs n'ont pas pris possession de tout l'espace. Là, on va aller prendre notre premier dîner à bord. Alors c'est un peu spécial parce qu'il n'y a pas de spectacle pour cette première soirée, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Notre cruise director c'est Peter, et Peter, bon, alors pour moi c'est pas le plus fun en général, donc peut-être que ça va avoir quelque chose avec sa présence, je ne sais pas. Mais en tout cas on va aller regarder ça. Et grande première, on va essayer de vous montrer tout ce qu'on va commander au restaurant, et puis peut-être donner des notes selon qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc voilà, maintenant on va chez Lumière pour notre premier dîner à bord. Alors pour changer un peu cette année, on va donner des notes à nos plats. Alors avec des personnages Disney, des notes sur 5. Et alors moi ça va être des Hadès. Et le saumon fumé en carpaccio, je vais lui donner 4 sur 5, 4 Hadès. Charlie, comment était ta salade couscous? Alors, je vais lui mettre 3 Wally sur 5. 3 Wally sur 5. C'est frais. C'est pas très original, mais en tout cas, les petits cranberries et les petites tomates donnent un petit entrée de bien. Anne-Claire, toi tu as pris les bruschetta à la tomate et mozzarella. Tu notes combien? Je vais mettre un 3 pascal sur 5. 3 pascal sur 5. Il manque un petit peu de relevé. Merci Anne-Claire. Fabrice, t'as pris quoi toi? Moi j'ai pris des calamars frits. Ouais. Je vais leur mettre 4 Jimini sur 5. C'était peut-être un peu trop frit. Eh bien moi, pour continuer, j'ai pris une salade de roquette avec une vinaigrette d'une couleur indéterminée mais qui a l'air bien appétissante.
Bon, bah, c'était pas mal. Hein. C'était une salade avec une vinaigrette qui ressemble à un pesto. Je lui donne un 3 Hadès sur 5 Hadès. 3 sur 5. Pas mal. Stéphanie, tu as mangé quoi? J'ai mangé le plat light saumon, légumes et une pomme de terre en robe des champs. Est-ce que ça mérite une note? Non, ça mérite pas une note. J'avais pas très faim, on va être honnête, et c'est un peu sec. Mais ça a le mérite d'être léger. Merci Stéphanie. De rien. Alors, j'ai pris les paquets de pasta. De pâtes sauce tomate censées avec de l'aubergine. J'ai pas senti l'aubergine. Et personnellement, j'ai trouvé les pâtes pas très cuites. Mais c'était al dente. Al dente, mais du coup, un peu caoutchouteux pour moi. Donc, je mettrais un 2 Pascal sur 5. Ouh. Ouais. Anne-Claire est difficile. Mais j'attends la note de 5. Non, je me laisse pour la suite, pour les autres restaurants et les autres plats. Alors, Fabrice, toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris le porc Wellington. Ouais. Je donnerais 4 Gemini. 4 Gemini, ouais. La sauce était légèrement trop salée à mon goût. Et le gratin? Le gratin, super bon, bien assaisonné. Les légumes très bons, surtout les navets. Et puis la petite croûte bien sympathique sur le pain. Bon, bah moi j'ai pris un steak hein, qui était très bon, comme d'habitude avec les steaks. J'ai pris de la sauce horseradish aussi, alors elle m'a un peu monté au nez, donc faites attention, elle est forte. Et moi pour ce steak, je mettrai un 4 Hadès. Parce que voilà, je n'ai pas encore eu de 5 et c'est que le premier jour, il nous reste encore 12 jours après. Voilà. Charlie, comment était ta crème brûlée? Elle était bonne, un peu trop sucrée à mon goût. Enfin, le caramel, le sucre dessus est trop fort. Les shortbreads au cinnamon ne servent à rien. Ils sont bons, mais ça sert à rien. L'originalité, c'est effectivement le café dedans et c'était sympa. Quelle note? Je mettrais un 3 Wally. Merci. Fabrice, toi, tu as eu un cheesecake à la mangue avec sa purée de fruits rouges. Tout à fait. Je le mettrais. C'était très bon. Ouais. La consistance était parfaite. Par contre, c'est beaucoup trop sucré. Il aurait pu avoir un goût de mangue un peu plus prononcé. Donc, pour ça, je mettrais un 4 Gemini sur 5. Bon, et ben moi le Sunday, je lui donne un 4,5 sur 5 parce qu'il déchirait. Les bouts de brownie au chocolat et la glace à la menthe, enfin sans moi, on donne de la menthe et du chocolat, je suis heureux. Donc 4 Hadès et demi sur 5. Vivement le prochain Sunday parce que j'adore ça. Une bonne journée qui se termine. Le résumé un peu mitigé sur le. Il y a eu des petits cafouillages au niveau des chambres, au niveau des tests qui sont passés de l'antigénique au PCR ce matin sans qu'on nous le dise. Plus un problème informatique, on pense, qui a fait que au lieu d'embarquer à 11h45, on est monté à bord à 14h. Sinon, bah, le staff est toujours aussi sympathique, la nourriture toujours aussi sympa. Pas de spectacle ce soir, ce qui est une première pour nous sur le jour de l'arrivée à bord. Donc on attend de voir demain comment ça va se passer avec notre cruise director Peter et toute l'équipe du Disney Magic. Bah, merci d'avoir suivi ce vlog, les Disney Cruisers, et on se retrouve très bientôt pour la suite.